Une fois que VirtualBox est installé, on va créer notre serveur virtuel Ubuntu. Alors pour cela, pour l'instant, bah j'ai réinstallé le logiciel, donc du coup, je n'ai plus aucune machine virtuelle. Je vais créer une nouvelle machine virtuelle que je vais appeler Ubuntu Server. Je préfère garder serveur parce que peut-être que lors d'une autre vidéo, j'installerai un Ubuntu Desktop. C'est deux choses différentes, donc je préfère ne pas mélanger. Je ne vais pas mettre Ubuntu Server 20.04 parce que si dans 15 jours, 3 semaines, un mois, je fais des mises à jour et que, y a une nouvelle version que je souhaite installer, bah, ça serait bête d'être sur une version 21 alors que ma machine s'appelle Ubuntu 20. Voilà, donc dès que je tape Ubuntu, bien sûr, il reconnaît que c'est un type Linux. Il me propose une version d'Ubuntu 64 bits et on a le petit logo d'Ubuntu. Ensuite, par rapport à cette machine virtuelle, en fait, c'est comme si on allait créer un autre ordinateur. Donc, il me demande quelle est la quantité de RAM que je souhaite réserver pour cette machine virtuelle. Faut pas oublier que en dessous, on a Windows qui va continuer à fonctionner. Donc, je ne peux pas mettre toute la RAM sur le système Linux. J'ai une machine ici qui fait 8 Go de RAM. Donc, je vais. Comme c'est du serveur, j'ai pas besoin énormément, énormément de travail. Je vais réserver 3 Go pour la machine virtuelle et il me restera 5 Go pour faire tourner Windows en arrière-plan, éventuellement d'autres programmes. Donc suivant. Là, je vais créer le disque virtuel maintenant. Il me demande quel type de disque dur je souhaite utiliser. Donc je vais bien utiliser un disque dur virtuel, VirtualBox, une image disque en fait. Et le stockage sera dynamiquement alloué. C'est-à-dire que si je réserve un espace de 100 Go pour ma machine virtuelle, il ne va pas immédiatement utiliser 100 Go, il ne va pas réserver 100 Go sur le disque dur. Il ne va réserver que le minimum, et puis au fur et à mesure où je stockerai des données sur mon Linux de ma machine virtuelle, eh bien la place de cet espace disque gonflera pour atteindre un maximum de 100 gigas. Voilà, et justement, il me demande quelle est la place que je souhaite réserver. Par défaut, il me propose 10 gigas, je vais en mettre un peu plus quand même. On va aller jusqu'à 50 gigas. Et je crée. Donc ça, c'est bien la taille du disque dur que je suis en train de créer. Disque dur virtuel, bien sûr. Voilà, ma machine virtuelle maintenant existe. Elle est ici. Elle s'appelle Ubuntu Server et elle est éteinte. Alors attention, je dis qu'elle existe, mais en fait, c'est un ordinateur vide qui n'a pas de système d'exploitation. Il va donc bien sûr falloir que j'installe Ubuntu dessus. En fait, c'est la fameuse image disque que j'ai téléchargée tout à l'heure. Donc, pour faire cela, on va aller sur stockage, lecteur optique, on va mettre choose create disk image. Hop, choose the disk file. Et là, je vais aller dans mes téléchargements et je vais retrouver mon Ubuntu. Donc, c'est un peu comme si j'installais ma clé USB dans un ordinateur physique. En fait, j'insère ce fichier dans la machine virtuelle au même titre qu'une clé USB. Je vais ouvrir. Et maintenant que j'ai mis ma clé USB virtuelle, eh bien, je peux démarrer la machine. Donc lorsque je démarre la machine, on va avoir d'abord VirtualBox qui s'installe et enfin Linux qui va démarrer normalement et l'installation va démarrer. Cela prendra un certain temps. Donc là on voit que tout démarre. Alors il va faire aussi quelques mises à jour tout à l'heure une fois qu'il aura installé. Donc je vais mettre en pause, sinon ça risque d'être un petit peu long. Il peut très bien y avoir quelques fails, hein, c'est pas grave. Au bout d'un certain temps, donc il va vous demander
quelle est la configuration de votre clavier et quel est le langage que l'on utilise. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de souris, hein, donc il va falloir utiliser les flèches. Donc, on va essayer de retrouver le français. Voilà, il est là. Il me demande la disposition du clavier. Donc on utilise là aussi les flèches ou la touche Tab, touche de tabulation, pour passer d'un champ à l'autre. Donc là, la disposition est en anglais. Donc je suis bien sur disposition, j'appuie sur Entrée et je descends la lettre F pour chercher le clavier français. Alors, pas français Canada, mais français de France. Je valide. La variante est français. Donc avec la touche Tab, je vais jusqu'à terminer. Je valide. Et ensuite, il demande quel est le réseau que je vais utiliser. Donc ça peut être le réseau Ethernet, donc le câble, ou bien le Wi-Fi. Je descends là aussi, je vais... Alors le Wi-Fi, il n'y arrive pas à se connecter dessus. Donc je vais prendre le câble Ethernet. Voilà, donc j'ai été connecté mon câble Ethernet parce que sinon je n'aurais pas eu de réseau et donc il n'y aurait pas eu la possibilité de faire les mises à jour. Maintenant, donc on voit bien qu'il reconnaît mon réseau. Alors, hop, on va aller sur terminer. Je n'ai pas de proxy, donc j'appuie directement sur Entrée. L'adresse miroir, c'est l'adresse où il va télécharger les fichiers. Donc là, on ne touche à rien. Hein. L'adresse est prédéfinie comme étant ubuntu.com. Et on va utiliser l'intégralité du disque de la machine virtuelle. Bien sûr, il ne va pas toucher à votre espace disque. On bascule sur Terminer, on ne touche à rien. Là, il propose de faire un petit résumé de ce qu'il va faire. Je ne touche à rien, j'appuie directement sur Terminer. Et il me demande si je suis sûr de vouloir continuer. Donc bien sûr, hein, je veux qu'il installe Ubuntu sur cette machine virtuelle. Continuer. Là, il me demande mon nom. Le nom de ma machine. Je vais l'appeler Ubuntu, tout simplement. C'est pas la peine de prendre des choses compliquées. Mon nom d'utilisateur, ça va être mon prénom. Et le mot de passe, je vais prendre un mot de passe très très simple parce que il peut très bien qu'il y ait une confusion entre les claviers français et anglais à l'installation. Donc je vais simplement taper 6 fois A et je vais le confirmer de la même manière. Ainsi, si je me suis trompé, ben je taperai à la place de 6 fois A, 6 fois Q, puisque c'est la lettre qui correspond au clavier QWERTY lorsqu'on est sur un AZERTY. Et bien sûr, je mettrai un mot de passe fort après, une fois que le système sera bien installé. Terminé. Et là, il me demande s'il faut installer OpenSSH. Ça, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Je ne vais pas l'installer pour l'instant. Là, j'ai tout un tas de composants que je peux installer. Je les parcours rapidement. Je n'ai pas besoin d'aucun de ces outils pour l'instant. Bon, ils pourront se télécharger après, hein, c'est simplement là, si on les télécharge maintenant, c'est plus simple. Mais bon, comme j'en ai pas besoin, on va aller directement sur Terminer. On appuie sur Entrée et l'installation se lance. Donc là, je vais mettre en pause parce que ça va durer un certain temps. Il va aller télécharger des mises à jour. Il faut juste vérifier ce petit bandeau rouge, l'installation du système. Quand ça sera terminé, ça marquera installation terminée. Sur la dernière ligne, on met un petit quelque chose qui tourne là. Même quand l'installation sera terminée, ça continuera à tourner. Donc vraiment, on va juste vérifier ce bandeau rouge et attendre que l'installation soit terminée. Une fois qu'installation terminée apparaît dans le bandeau rouge,
nous allons pouvoir redémarrer la machine. Donc là aussi, il faudra faire quelques tabs. Voilà. Vous pouvez bien vérifier que votre souris est à l'intérieur de l'écran de VirtualBox. Voilà. Cancel, view folder and reboot. On va toujours les faire après, hein, les mises à jour. L'idéal aurait été d'attendre, mais là je veux aller assez vite, ce qui me permettra comme ça de montrer comment on fait des mises à jour sur Ubuntu par la suite. Voilà, donc normalement une fois que l'ordinateur redémarre, il ne faut pas hésiter à appuyer sur Entrée plusieurs fois. On a des vérifications qui se font. Il peut y avoir des échecs, hein, c'est pas grave. Tout va démarrer. Voilà, il faut appuyer sur Entrée. On a le système d'exploitation là qui se lance. Normalement, il fait un certain nombre de vérifications qui sont masquées normalement sous Windows. Mais sur un serveur Linux, tout est apparent. Une fois que nous sommes sur cet écran-là, nous sommes sur un système Ubuntu qui est prêt à l'emploi. Voilà. Là, je rappuie sur Entrée, et là, il me demande mon login. Donc, on va se loguer, et après, on arrêtera la vidéo. Je vous rappelle que mon login, c'est mon prénom Fabrice, et en mot de passe, j'avais mis 6A. Là, tout fonctionne, je suis logué sur mon serveur et connecté en tant que Fabrice.